Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. J'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui quelques petites nouveautés de plus sur ma tablette. Même, je suis rendue à plus qu'une tablette de bibliothèque. Des trucs de coloriage. C'est mon cadeau de la Saint-Valentin. Et oui, mon amoureux me fait un beau cadeau pour la Saint-Valentin. Donc, j'avais mis des trucs dans le panier sur Amazon. Puis, lui, ben, il est allé regarder des choses. Puis le soir de la Saint-Valentin, il m'a dit, ah, il dit, commande-toi donc, là, il m'a donné un budget, il dit, commande-toi des affaires, là, que tu vas te servir. Pas inutile, fait que là, j'étais comme, ah, oh, mais non, c'est pas vrai. Je me sers de toutes mes affaires, voyons donc. Et là, il dit, prends-toi donc quelque chose, là, tu sais, pour tes vidéos, puis tout, là. Là, il m'a donné un budget, puis il m'a dit, tiens, il dit, let's go. Fait que là, j'avais comme un paquet d'affaires déjà dans le panier. C'est pas que j'avais pris de l'avance rien, c'est moi, j'étais supposée, je m'étais dit, OK, bon, je m'achète, là, tel truc. Et puis, finalement, ça s'est avéré que ça a viré en cadeau de Saint-Valentin. C'est pas moi qui ai payé la facture, donc je suis tellement contente, c'est donc ben, c'est tellement fin. Là, je veux vous montrer ça aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai des choses, peut-être des produits qui vont être nouveaux, peut-être d'autres que des gens connaissent. Moi, c'est quelques petites nouveautés pour moi. C'est des choses que j'avais pas. Encore et encore des crayons, comme d'habitude. Donc, première chose que j'ai ajoutée à mon panier, c'était mon beau gros kit ici de crayons. Donc, c'est la marque Belisa. Donc, vous voyez ici, dans une belle étui en plus, tout. Et ça se présente comme suit. Tadam! Voici. Puis, il y a un rack dans le fond. Il y a vraiment un rack en plastique, là. J'ai même ici, si je veux me faire là, un petit nuancier. Là, je pourrais le sortir là, ici, dedans. Il se sépare comme en deux, dans le fond. Là, vous voyez, là, il y a un rack de plastique, là. Fait que les crayons, ils tiennent vraiment comme tout le droit, là, dedans, là. Donc, vous voyez le fond. Écoutez, c'est le fun. Ils ont tous les noms des couleurs. Ils ont un numéro en plus. Donc, tous ceux qui se font des nuanciers, c'est méga génial, les crayons comme ça. Ils étaient vraiment bien notés, pour vrai. Pas trop dispendieux non plus. J'ai quand même été très agréablement surprise. Bon, voyez-vous, c'est 10 par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait que c'est 100 crayons. J'étais pas certaine si c'était 100 ou si c'était 120. Là, j'avais comme un petit doute. Et c'est 100 crayons. Donc, c'est la trousse. C'est ça. C'était écrit ici, voyez-vous, sur l'étiquette. J'avais juste à regarder. Donc là, je vais l'enlever, la fameuse étiquette, là. Hein? Plus besoin de ça. Donc, moi, je ne fais pas mon nuancier sur ces genres de petites feuilles qui sont fournies. J'en ai un que j'ai fait. Si vous fouillez dans mes vidéos, si je ne me trompe pas, quand vous allez sur la page de la chaîne, OK, vous allez voir, vous avez des sections que j'ai créées, dans le fond, des listes de lecture que ça s'appelle. Vous avez les unboxings qui sont répertoriés là-dedans, vous avez des vidéos de référence, vous avez, quand j'ai des vlogs en dépouille, vous avez un paquet de sections. Dans la section vidéo de référence, puis peut-être même dans celle coloriage, il y a comment je vous avais montré là, comment vous faire un nuancier à la maison. Donc, ceux qui ont un paquet de crayons, mettons, et que ça leur intéresse de faire un nuancier, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, vous avez juste à aller fouiller un petit peu. Avec quelques petites recherches, là, c'est très, très, très facile de mettre la main sur la vidéo. Donc, là, je mets ça de côté. Je vous montre les produits, puis je vais les tester après. J'ai pris une petite carte de coloriage, là, des créations Joël Mercier. Ici, comme ça, j'ai pris une au hasard. Donc, ça a donné que c'était un beau cadeau. Et puis, je vais tester là, là-dessus après. Là, ce que je vous montre là, je vais juste vous les montrer dans un premier temps. Ensuite de ça, deuxième chose que j'ai ajoutée à mon panier, c'est ça ici. Donc là, vous vous dites, c'est quoi ça, cette petite boîte blanche-là? Donc, c'est des pinceaux, dans le fond. C'est pour ma peinture aquarelle, hein? Je vous ai montré ça il n'y a pas long, là. Je m'étais acheté un beau petit kit là, pour faire mes fonds et tout. Il y avait des petits crayons, là, comme justement mes crayons, là, mes brush pen à Arteza. Il y avait un crayon bleu, là. Bon, c'est un réservoir. C'est des crayons qui ont des réservoirs, donc on met de l'eau dedans. Puis l'embout ici, c'est des pinceaux. Donc là, j'ai un beau kit de plein de grosseurs de pinceaux différents pour aller faire mes fonds dans mes dessins.
Donc, si j'ai des plus petits détails, ben, j'ai des plus petits pinceaux, j'ai des pinceaux plus moyens, puis j'en ai même des plus gros pour vous montrer. Là, il y a comme deux de chaque, là. En tout cas, il y a un autre format aussi, là. Mais, exemple, regardez, là, ceux-là, là. Comment sont vraiment gros, là. Donc, si je veux vraiment là, faire des gros détails au travers, ça peut être bon aussi dans des dégradés. Écoutez, ça, là, ça marche avec toutes les peintures aquarelles et tout, là. Tout, quand vous voyez là, des trucs, là, watercolor, si vous voulez avoir plus de résultats de recherche quand vous cherchez, regardez ceux-ci aussi, plus gros un petit peu. J'en ai même des super fins, là, comme ça ici, là, vraiment pointu, là, pour aller faire des petits détails. Donc, c'est super simple. Ici, on remplit ça avec de l'eau. Ensuite, on ploie ça là-dedans. Non, c'est vrai, c'est vissé comme à l'inverse. Donc, moi, à chaque fois, je me fais avoir. Un jour, je vais finir par m'habituer. Quand on visse, là, mais avec ça, c'est pas ça. Tu visses pas dans le sens que tu visses normalement. Tu dévisses dans le fond pour... en tout cas, vous comprenez? C'est vraiment inversé comment ils sont faits. C'est spécial pour vrai, là. toutes les fois que j'ai comme dévissé, que j'ai zigonné après ça, à chaque fois, je me suis fait avoir. Donc, c'est pour ça, un jour, je vais finir par m'habituer. C'est ça, un coup ici, vous avez de l'eau. Ben là, à ce moment-là, ça, c'est vous qui exercez une pression comme vous voulez. T'sais, si vous pesez gros, ben il va en sortir gros, hein, naturellement. Et puis après ça, ben, vous pouvez aller gager votre quantité et tout avec votre aquarelle. J'ai un super de beau petit kit aussi que je me suis procuré il y a vraiment pas long. Donc ça aussi, là, si vous voulez aller faire une petite recherche dans mes vidéos, vous allez mettre la main là-dessus. Là, je vous présente ça. Ça fait pas longtemps, là. Ça fait quoi, je dirais peut-être un 2-3 semaines peut-être que je vous ai parlé de ça. Un beau petit kit dans une belle petite boîte en métal turquoise, là, hein, ça vous dit quelque chose. Donc allez voir ça si le petit kit vous intéresse, il est vraiment pas cher, il a full de belles couleurs. Moi je suis très satisfaite, j'en ai regardé d'autres, puis pour vrai je pense que j'ai vraiment pris celui qui était le mieux. Parce que les autres, je sais pas, je regardais les nuances et tout, dans celui-là j'ai du fluo, j'ai des couleurs... de base, une couleur normale. Et puis, j'ai des couleurs métalliques aussi. J'ai vraiment un mélange des trois. J'ai des outils avec. Sérieux, c'est vraiment là. Puis, je l'avais vu dans les commentaires et tout, là, dans les reviews, dans les évaluations. Je l'avais vu. Les gens le disaient. Autant pour quelqu'un qui est avancé, qui en fait quand même beaucoup, que quelqu'un qui est débutant, ce kit-là était excellent. Il est super bien noté. Je l'ai retrouvé sur Etsy aussi. T'sais, je l'ai vu à une couple de places. La compagnie est affichée à plein de places, donc pas juste sur Amazon. Moi, je l'ai découvert sur Amazon. Mais si vous allez fouiller dans mes vidéos, vous allez être capable de mettre la main là-dessus, autant sur le nuancier que justement, là, tu sais, sur mes petites photos, là, des vidéos, là, vous l'avez dans la miniature, là, quand je vous présente le kit, vous les voyez toutes les pastilles de couleurs. Donc, en partant, ça peut vous faire un petit peu, là, comment je pourrais dire, là, un indice, là, où chercher. Donc, c'est ça. Si vous allez fouiller un petit peu, là, dans les vidéos de la chaîne, là, vous allez mettre la main là-dessus. Facile au bout. Bon, là, je vais ouvrir ça. Ensuite, tadam! J'ai découvert ceci. J'ai vu quelqu'un qui a fait une publication. Ça faisait un bout que je m'en cherchais. Des crayons. C'est des crayons feuilles, dans le fond. Est-ce qu'ils sont... OK. Ils sont à base d'eau. Donc, j'étais pas certaine si c'était des crayons à alcool ou à eau. Donc, c'est des crayons à base d'eau. C'est des couleurs métalliques. Ça faisait un bout que je m'en cherchais. Puis, en plus, là, c'est des OU. J'ai plein de produits OU. Il y en a beaucoup qui disent, ah, c'est des produits cheap puis tout. C'est pas grave. Moi, je les aime au bout. Je trouve qu'ils vont super bien. J'ai les OU pastel. J'en ai un autre gros kit. J'ai autant des marqueurs que j'ai des crayons de bois OU. Puis, j'adore leurs produits pour vrai. Moi, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Je ne suis pas une artiste dans l'âme non plus. Je fais pas des dessins épouvantables. C'est sûr que j'ai des crayons quand même de qualité. Hein? J'ai des Arteza, j'ai des Prismacolor. Tu sais, j'en ai là qui valent plus cher, façon de parler, là, qui sont plus de qualité et tout. OUU, c'est une marque, dans le fond, moi je trouve que pour vrai, là, j'en ai tellement regardé des crayons de couleur. Écoutez, là, il y a des veillées, là, des soirées, là. Hey, j'en regardais sur Amazon. Là, je me promenais de un à l'autre, comparer les marques, les reviews, la quantité pour le prix, puis tout.
Puis, pour vrai, j'en ai testé des vraiment cheap, j'en ai testé des plus chers et tout. Puis, je trouve que pour le prix, OU a une très belle qualité. Donc, j'aime beaucoup leurs produits. Puis, ils sont quand même très, très populaires. OK? On les voit passer quand même beaucoup. Je ne suis pas la seule à dire que c'est quand même des bons produits, là. Donc, mais c'est sûr que, bon, quelqu'un qui va faire là, des dessins, quelqu'un qui va faire des choses là, un peu plus professionnelles et tout, là, tu sais, qui ne fera pas juste des dessins, tu sais, qui ne fera pas juste du coloriage comme moi pour s'amuser et se relaxer. Quelqu'un qui en fait vraiment, là, qui en a besoin là, pour faire de l'art, à ce moment-là, tu sais, peut-être que la personne n'utilisera pas les OU, va être habituée avec, exemple, les Faber-Castell, tu sais, des crayons qui valent vraiment à la peau des fesses, comme que moi je dis. Mais tu sais, c'est sûr que tu ne compares pas ça avec des OU, OK? On ne compare pas des pommes avec des oranges, hein, ni des poires avec des bananes. Donc, mais pour le prix, pour vrai, ils ont vraiment une belle qualité. Fait que c'est pour ça, moi, les produits OU. Puis, je les avais jamais vus, ceux-là, les petits crayons métalliques. Pourquoi j'ai hésité longtemps à m'acheter des marqueurs métalliques? Parce que j'ai des crayons gel. J'ai une belle tour en avant de moi de 100 crayons gel, écoutez, puis je m'en sers presque pas. Je m'en sers de temps en temps, puis j'y pense jamais dans mes coloriages. Puis là, je vois des coloriages avec un petit peu de métallique, puis je trouve ça tellement beau, puis je me dis, oh my god, tu sais, moi aussi, je veux mettre du métallique. Fait que là, je me mets à rechercher, puis là, je regarde, puis des crayons, je regarde des crayons feutres métalliques et tout, je regarde tous les choix que j'ai, toutes les marques. Puis là, à chaque fois, je me redis, Marilyn, tu as des crayons gel de toutes les couleurs, métallique, fluo, puis tout, serre-toi-en dans tes coloriages pour des petits détails. Puis là, à chaque fois, tu sais, je suis comme, laisse faire les crayons métalliques, t'en as pas besoin. Mais là, c'était des OU, puis je les avais pas vus. Vu que j'aime vraiment leurs produits, puis sérieux, c'était pas trop cher. C'était vraiment, tu sais, il y a d'autres crayons, puis je pense que j'ai payé une dizaine de dollars, là, donc... C'était pas très très cher comparativement à beaucoup d'autres que j'avais regardé pour des crayons là, métalliques. Là. Donc, je vais juste vous montrer là, ici. Là. Fait qu'on a les 12 couleurs comme ça que je vais tester à l'après. Donc, je mets ça de côté. Là, là je vous présente le stock. Bon, on va l'ouvrir pareil tantôt. C'est juste les crayons ici, là. Les crayons avec des réservoirs. Là, parce que je sais pas si on appelle ça des crayons pinceaux ou quoi, là, pour vrai. Là. Ça va être, moi, je vais appeler ça mes pinceaux à aquarelle, OK? On s'entend, là? Quand je vais parler dans mes vidéos, là, mes pinceaux à aquarelle, ça va être ça, OK? Ben, je sais pas c'est quoi le vrai nom et tout, là. C'est peut-être pas... Ensuite de ça, la dernière affaire, et non la moindre, que je veux vous montrer, que je suis extrêmement contente d'avoir, c'était vraiment... C'est une nouvelle découverte, OK? J'ai vu passer ça sur un groupe. Je savais même pas que ça existait. Depuis un bout, là, je suis là, puis je niaise un peu, là. Je me pratique pas tant. Je devrais me pratiquer plus. Mais tu sais, j'essaie de jouer un peu avec les couleurs pour faire des dégradés. Puis j'aime bien ça. Puis là, mais j'ai vu quelqu'un qui a pris une photo de des crayons 3 en 1. Ouais. Fait que tu sais, t'as un crayon rose, puis t'as 3 teintes de rose dans le même crayon pour pouvoir faire des dégradés. Puis là, je me suis dit, ben voyons donc, c'est donc ben hot. Puis là, ben, je suis allée voir les prix sur Amazon et tout, puis je me suis rendu compte que c'était donc ben cher aussi. Oh my God. Là, je suis... OK. Donc, là, il y en a peut-être qui savent de quoi je parle. Tadam! Voici les Tri-Blend. Donc, je les ai gardés dans mon panier pendant, quoi, un bon gros 2-3 semaines. Puis là, je les mettais dans le panier, mettais de côté, mettais dans le panier, mettais de côté. Parce que là, je me disais, mais c'est ben trop cher. OK? Quand je les ai mis dans mon panier, là, puis ça n'a pas bougé. Là. Pendant 3 semaines, ça n'a pas grouillé pantoute. C'était 126, je crois. En tout cas. Mettons, là, faire un chiffron, là, parce que maintenant, il y a beaucoup de choses que j'achetais sur Amazon avant que je n'avais pas de taxes. Maintenant, sur tout, il y a des taxes. C'est débile. Sur tout, 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 tout. Des fois, c'était une taxe. Là, c'est fou. Il y a des taxes sur tout, tout. Donc, c'était, je crois, 127 ou 126 et des poussières plus les taxes. Fait que, tu sais, on pète le 130 $. Puis, il y a 24 crayons. Tu sais, c'est ça l'affaire. Mais, OK, 24 crayons. T'as 3 shades dans le même crayon, fait que ça se transforme en 72 couleurs. Mais c'est pas grave. Mettons qu'on se dit 72 crayons, 130 bâtons. Je trouvais ça cher un peu. Là, je me disais, ouais.
Non, c'est un peu trop. Puis là, mais pourtant, là, je regardais les évaluations. Puis tu sais, ils sont presque 5 étoiles. Fait que là, je me suis dit, bon, allez voir. Je suis tout le temps curieuse d'aller voir, tu sais, c'est quoi les raisons des une étoile? Parce que des fois, tu regardes ça, exemple, la personne dit, bon, le pourquoi, exemple, la livraison est arrivée en retard, une étoile. OK? Par rapport au produit, mon ami, c'est quoi ton opinion? Tu sais, le produit peut être bien bon, peut être bien sacoche. La livraison est arrivée en retard, une étoile. Des gens qui ne croient pas à la perfection dans ce monde puis qui mettent des 4 étoiles. T'sais, c'est toutes sortes d'affaires. Là, je m'allais voir, je suis curieuse. T'sais, des fois, je vois toutes sortes de choses puis des fois, je ris, mais je ris, t'sais, de voir les raisons. Puis là, il y avait deux évaluations, une étoile, puis les deux évaluations, une étoile, comparaient les Triblen à une autre marque de crayon, puis je me souviens plus c'est quoi pour vrai. Puis là, je connaissais pas ça. Enfin, je me suis dit, bon, on va aller voir sur Internet. Hein, sur les Internet, on trouve bien les affaires. Fait que je suis allée voir la marque de ces crayons-là. Ici, on parlait de des crayons, OK, à 130 $. Les gens ont comparé ça à des crayons de professionnels qui se vendaient presque 500 $. Là, j'étais là. C'est parce que là, on n'est pas sur la même coche, là. C'est pareil comme si je vais m'acheter des crayons là, puis que je chiale que ça colore pas aussi bien que mes Arteza. Là, j'étais là. Là, wow, minute, là. Fait que je me suis laissée convaincre avec les Triblen que c'était vraiment du bon matos. J'ai vraiment très hâte de tester ça. Mais en tout cas, les reviews étaient unanimes. Pour vrai, là, tout le monde disait que c'était des super de bons crayons, puis les adorait. Et j'ai été chanceuse parce que le soir de la Saint-Valentin, quand mon copain il m'a dit « Garde-toi, bébé, c'est moi qui paye! » Il m'a pas dit ça de même, là. OK, hein, je nuance, je me trouve drôle. Quand il m'a dit, là, tu sais, choisis-toi des choses, ben là, j'ai vu le prix que les Triblen avaient descendu beaucoup. Il était rendu à 95 au lieu de 126. Fait que là, j'étais comme « Ah, intéressant, c'est quand même, tu sais... » 30 pièces de moins, tu sais, je me disais, ah, tu sais, 30 pièces de moins plus les taxes, quand même 35 $ de moins, puis là, tu sais, je me faisais un bout, là, que je les surveillais, puis qu'ils mijotaient, puis là, ils n'ont pas bougé pantoute, 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 puis là, one shot, ils descendent, donc là, je me suis laissée tenter, puis je les ai mis dans mon panier. Là, après ça, après ces choses-là, il n'y avait plus de budget, même que j'ai pété un peu le budget, mais c'est pas grave. Il m'a donné la permission, il m'a dit que c'était correct. Mais il m'a fait promettre, il m'a dit là, tu vas t'en servir. Hein. De ceux-là, surtout, là, qui coûtent bien cher. Donc là, je vais juste les tester un peu. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce que ça a l'air. Parce que sur Internet, oh my God! Comment réaliser un mélange uniforme? Donc, ils vous le disent en plus comment ça marche. Là, il y a une petite méthode ici, quand on le rouvre, là, ils vous disent même une petite instruction. OK, je vais vous le lire. Numéro 1, remplir la zone de la couleur pâle. Numéro 2, utiliser la couleur foncée pour créer une zone potentiellement ombragée. Numéro 3, en commençant dans la zone ombragée, utilisez la couleur moyenne, donc celle du milieu, pour créer un dégradé entre la couleur pâle et la couleur foncée. Donc, on commence par du pâle, après on va mettre nos nuances foncées, puis après on colore partout avec la couleur médium pour que ça crée une couleur qui va être plus uniforme. Donc, c'est vraiment ça. Ensuite, numéro 4... En commençant dans la zone pâle, réappliquez la couleur pâle en chevauchant le dégradé pour adoucir et finaliser. Fait que où est-ce qu'il y a du pâle? Ben, tu sais, on repasse pour on remet du pâle. Hey, j'ai vraiment hâte de tester ça pour vrai. Les crayons, c'est ce que j'avais vu sur les reviews, c'est ce que ça me semblait, sont vraiment longs. OK, regardez ça, là. Ils sont vraiment grands, mais c'est vraiment 3 crayons en un. Donc ici, on a même les petites flèches. Donc, j'enlève le bout ici pour la couleur pâle, c'est marqué light. Ensuite, je défais dans le milieu vraiment pour la médium. Et puis, j'enlève à l'autre bout ici dark, la foncée. Donc, ils sont vraiment toutes bien identifiées. Ensuite de ça, OK, c'est séparé, il y a un petit papier. Je sais pas, je me demandais, je sais, il y a-tu un petit livre de quoi? C'est juste un petit carton pour séparer. Ils sont toutes scellées. Sont vraiment toutes là, emballées. Là. Fait, je vais prendre celui-là, là, vu que j'ai celui-là. Là. Donc, j'ai Light Green Blend. Donc, un petit vert pâle. Sont toutes enveloppées, sont toutes scellées. Donc, c'est vraiment génial. En partant, hein, ça vous prouve que c'est de la qualité. Donc, je m'installe. Là.
Je vous recale sur mes mains, question que vous puissiez voir, là, puis je teste deux, trois petites choses juste pour vous montrer vite, vite, qu'est-ce que ça a l'air. Donc, je suis prête. J'ai mon crayon. Là, je ne sais pas si je vais y aller dans le cadeau parce que je veux vraiment faire comme une zone de dégradé. Mais tu sais, je pourrais essayer de le faire un peu là-dedans. Mais en même temps, c'est parce que je veux pas, je veux le faire, le coloriage. Je veux pas juste m'en servir comme pour tester. Donc là, si je me fie à ce qu'ils disent, parce que là, c'est les premiers que je teste, je veux vraiment, là, c'est eux autres là, que je veux voir en premier. Donc, exemple, ils disaient d'y aller puis d'aller faire du pâle en premier. Donc, je vais aller faire du pâle. OK, parfait. Ensuite, ils me disaient d'aller mettre mon foncé. Fait que, admettons, là, mon foncé, il va être ici. Ensuite, ils disaient d'aller repasser avec la couleur du milieu. Donc, je défais mon crayon comme ça ici. Moi, là, ça va partir ici, là. Donc, il disait de repasser comme ça dessus, là, pour que ça fasse comme plus uniforme. Parfait. Puis, en dernier, de repasser avec la couleur pâle. Hey, c'est donc bien fun! Wow! Moi, je suis comme toute impressionnée. J'ai réussi à faire un beau dégraté. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Pour vrai, c'est vraiment malade. Je suis très, très, très contente. Je pense que c'est les crayons qui me coûtent le plus cher à date, pour vrai. Ben non, j'ai déjà... Ben oui, 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 pour vrai, oui. Pour la quantité, pour vrai, je pense que c'est les crayons qui me coûtent le plus cher, mais je pense que c'est ceux avec lesquels que je vais me faire le plus de fun. Sérieux, c'est malade, je capote. Donc, vous voyez la preuve, OK? Moi qui ne sais jamais pratiqué, j'ai juste lu sur le carton comment faire. Je suis pourrie d'un dégradé d'habitude, c'est vraiment affreux. J'ai beau essayer, puis tu sais, à chaque fois, je me dis, ah, ça sort pas trop pire à l'écran, mais tu sais, moi, je le regarde en vrai, puis je suis comme, yeah! Donc, c'est une petite merveille, les Triblends. Assurément, vidéo coloriage dans pas long, parce que le lendemain de la Saint-Valentin, vu que j'étais supposée me les acheter, j'hésitais, puis que je niaisais, puis que là, mon copain, il me dit que, tu sais, c'était mon cadeau, ben à ce moment-là, je me suis dit, ah, ben j'ai un petit peu de lousse. Donc, j'ai acheté deux, trois petits trucs de plus que j'ai pas reçus encore. Ça, ça vient juste d'arriver aujourd'hui. Donc là, aussitôt que j'ai mes autres trucs, je vous fais une autre petite vidéo unboxing coloriage. Je vous montre vite. C'est trois livres à colorier. Et puis, un autre article mystère, je vous le dis pas. Donc, aussitôt que je vais les avoir, là, probablement là, qu'en même temps, là, ben, je vais faire un coloriage dans un des livres. Puis, c'est sûr, que je sors mes Triblends, que je m'amuse avec ça. Là, j'ai hâte. Là. Même cet après-midi, j'ai le goût là, de me lancer dans des coloriages là, pour tester ça. C'est vraiment malade. Mais je vais essayer de me retenir pour faire ça en vidéo avec vous, mes premières expériences. Fait que là, comme ça, vous allez pouvoir le voir. Écoutez, là, exemple, tu sais, j'ai juste fait un test, OK, puis ça sort bien. Fait qu'imaginez, là, que ça fasse un petit bout, là, puis que, tu sais, ça soit pas pire, là. Mettons, je sais pas, moi, dans 6 mois, là, la différence avec là et dans 6 mois, mettons, qu'est-ce que ça va avoir de là, mais dégradé, je suis sûre que ça va être sa coche, hein, parce que c'est comme n'importe quoi, c'est à force de se pratiquer et tout qu'on devient bon. Donc, faut pas lâcher, puis il faut persévérer. Maintenant, je veux tester mes fameux OU, mes crayons métalliques. Fait que là, on va y aller avec un bleu, mettons, puis un vert. Tiens, je les ai vraiment pris au hasard. Donc, la pointe. Oh, une belle pointe. Quand même pointue, là. OK, on parle pas. Parce que là, je vais vous dire que vite, vite, j'ai eu peur. Quand j'ai vu la grosseur du bouchon, la grosseur des crayons, j'étais comme, ah, ça va être de quoi, pointe fine, ou ça va être une espèce de pointe droite, tu sais, en biseau. Là, je me dis, je vais être capable de faire des petits détails fins avec ça. J'avais comme... Là, je suis en train de me dire, est-ce que c'est un détail que j'ai pas vu, moi, la pointe? Qu'est-ce que ça a de l'air? J'étais pas certaine, OK? J'ai eu une petite peur quand je les ai ouverts, mais là, je suis très, très, très contente. Ça va être génial. C'est numéro 1. Fait que là, je vais y aller. Oh, wow! C'est un peu comme une pointe pinceau, dans le fond. Puis sérieux, c'est métallique solide, là. J'ai comme l'impression de faire un peu comme de la, tu sais, justement, là, de l'aquarelle, là. Faut y aller comme doucement, c'est comme, je sais pas, on dirait, hey, ça reluise, là, c'est vraiment métallique. Oh, wow! Fait que ça va vraiment ajouter une petite touche dans mes colos.
T'sais, c'est pas, j'ai juste 12 couleurs, mais c'est tellement pas grave, là. Je veux pas me mettre à faire toutes des colos au complet métalliques, là. Je veux juste acheter des petites touches de punch ici et là. Justement, dans des dégradés, des choses comme ça peut être de quoi de pas pire à ajouter. Donc, 12 couleurs, là, ça va me suffire rien qu'en masse. Ah, hey, si ça fait beau. Wow. Donc là, je vais juste finir des fers. Puis, je vous montre ça de plus proche. Là. Qu'est-ce que ça a l'air? On voit comme pas les coups. T'sais, j'essaie de faire des petites lignes, là, puis on voit comme pas là, les traits. Là. Quand on colore, des fois, là, des crayons plus cheap, exemple, là, ça va laisser des marques. Là. Mais là, on voit pas les coups de crayon. Hey, c'est donc ben hot. Hein? Vous arrivez à voir? Regardez, là. C'est vraiment métallique. Là. Ça reluise vraiment. C'est vraiment cool. OK, hey, je suis vraiment contente. Je sais pas, pour vrai, s'il y a des plus grosses boîtes ou quoi. Moi, j'ai vraiment vu juste celle-là, me semble. Je sais pas s'il y a différents formats. Il y en avait, j'étais sceptique, parce que je regardais des fois les coloriages, puis ça avait pas vraiment l'air métallique. Puis, tu sais, c'est ça, comme je vous dis, donc, je revenais toujours à mes crayons gel, puis je me disais, tu sais, j'ai des crayons gel, puis je sais que ça, c'est vraiment métallique, là, mais tu sais, ça passe beaucoup d'encre. Faire un coloriage avec des crayons gel, je me disais, je vais l'éclairer, tu sais, dans le temps de le dire, là. Ça descend dans le crayon, là, c'est pas long. Mais ça, oh là là, je suis très, très, très contente, donc, approuvé ça aussi. Maintenant, je vais tester un petit peu, là, vite, mes autres crayons. Je vais voir un peu, là. Ça, j'aime ça au bout qu'il y ait tous les numéros comme ça avec les noms de couleurs. Tu sais, à la limite, les noms de couleurs, c'est tel que tel. J'aime qu'il y ait un numéro parce que, tu sais, il y a comme un code de couleur, là. Tu sais, après ça, exemple, quand tu te fais un nuancier ou de quoi, mais tu sais, tu peux aller regarder dans ton nuancier, puis là, OK, tu sais, il y a 2-3 roses que j'aimerais ajouter dans mon, tu sais, là, tu spots les numéros, ça va mieux que là, de tout regarder les noms à la place. Moi, j'aime ça, je trouve que c'est plus vite. Donc là, bon, j'ai mis du bleu, du vert. Fait qu'on va continuer dans ces teintes-là. Ils sont à double pointe. Je ne sais pas si je vous l'avais mentionné. Donc, on a la fameuse pointe. Qu'est-ce que je parlais là? J'avais peur que mes crayons métalliques soient une grosse pointe comme ça. Grosse pointe comme ça, c'est génial quand on veut faire des grosses lignes. Tu sais, mettons là, mon cadeau là. Ça, c'est large. Oh, la couleur, la pigmentation, wow! Très, très beau. Tu sais, encore là, là, la pointe est trop large pour qu'est-ce que je fais. Tu sais, ça, c'est vraiment, là, si on veut faire, là, des gros détails. Tu sais, là, moi, là, c'est sûr. Ça a dépassé, mais c'est pas grave, là. Je vais m'arranger, je vais mettre de quoi de plus foncé dedans ou, finalement, ça va être juste un test, puis je le ferai peut-être pas. Donc, c'est ça, on a la fameuse grosse pointe. Souvent, cette pointe-là, il y en a beaucoup qui s'en servent pas. Je vais être honnête, là, il y en a gros là, que cette pointe-là, là, ils s'en servent pratiquement jamais. Moi, ça dépend quoi. Si j'ai une grosse zone, au lieu de prendre une petite pointe, puis faire des traits ou de quoi, ben souvent, je vais utiliser comme le gros. Puis, tu sais, je vais essayer vraiment là, de couvrir le plus possible ma zone, tu sais, de faire le moins de coups de crayon possible. Mais il faut vraiment que ça soit une grosse zone. Hein? On s'entend là, pour utiliser une grosse pointe comme ça. Ensuite, l'autre pointe, ben, c'est la pointe fine. Donc, c'est pas extra fin, c'est pas trop fin non plus. Moi, cette grosseur-là, moi, ça, comme ça, là, moi, j'adore ça. J'en ai des plus fins, je les utilise pas souvent. Mettons, mes Staedtler Triplus, là, sont super fins. Mais eux, je vais les utiliser si je fais, mettons, des mandalas. Si je fais des mandalas avec des petits détails, ben là, à ce moment-là, tu sais, je vais les sortir et tout. Parce que sinon, le colorer avec ça, c'est quand même, tu sais, ça nécessite quand même beaucoup de coups de crayon. Puis c'est quand même pas mal plus long, mettons. À part si on a un dessin qui est rempli de petits détails, ben là, pour ça, ils sont vraiment, mais vraiment merveilleux. Mais j'aime bien la pointe de ces crayons-là. Là, je le fais vraiment vite, vite. Là. Je veux juste tester, là, voir la pigmentation des couleurs. Là. Moi, j'aime bien cette pointe-là, dans le fond, pas trop petit, puis pas la grosse non plus. Comme ça, moi, je trouve ça parfait. J'aime aussi les ceux avec les points de pinceau, mais ça, c'est pas pareil. Il faut s'adapter, il faut y aller plus doucement, il faut y aller vraiment comme si on avait un pinceau, OK? C'est pas le même move, OK, quand on colore. La pointe fine comme ça, moi, je trouve qu'elle est juste parfaite, parce que autant pour des petites places plus fines, je vais venir faire ma petite boule ici, là, au bout, là.
T'sais, autant pour des plus petits détails, on est capable, parce que c'est quand même fin, que pour des zones, mettons, de grandeur moyenne. T'sais, on a une grande zone, on y va avec la grosse pointe, mais une grandeur moyenne, mais t'sais, ça fait pas trop de traits de crayon non plus. Fait que, pour vrai, là, moi, j'adore les crayons comme ça. J'en ai deux ou trois sets, si je ne m'abuse. Me semble, j'en ai deux ou trois sets. Bon, hey, là, j'ai comme tellement de couleurs, là, je suis comme, lequel que je prends? Donc, c'est ça. J'en ai une coupe de 7. Tiens, on va y aller avec la grosse pointe ici pour ne faire ça, mettons. Vous voyez comment que ça y va large. Donc, tu sais, c'est pas trop long, là. C'est pas trop long que la zone est faite. Versus, tu sais, avec l'autre petite pointe, ben. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Ça nécessite plus de coups de crayon. Vous avez plus de chances à ce moment-là que ça fasse des traits, justement. Vous pouvez arriver comme ça, venir faire votre contour avec la plus petite pointe. Et après ça, arriver avec la grosse, puis venir remplir. OK. Il y en a quand même beaucoup qui font ça. C'est quand même pas si pire, là. Donc, j'aime vraiment, moi, les deux embouts, là. Mais pour vrai, la grande, moi aussi, je m'en sers moins. Souvent, c'est des petites cartes comme ça que je fais des petits coloriages comme ça, là. Donc, je m'en sers vraiment moins. Tiens, on va y aller. Je vais aller voir, là. Celui-là, il m'intrigue, là, ici. C'est comme un rose fluo. Ça n'a pas rapport pas en tout dans le dessin. Mais c'est pas grave. Je veux vraiment voir la couleur. Qu'est-ce que ça a de l'air? Oh, wow! J'aime beaucoup la pigmentation. Tu sais, il y en a des fois, les couleurs sont comme fades. Oh, wow! Je me souviens, mes OU pastels, ça aussi, ça avait été un gros coup de cœur, puis je les regrette pas, pas en tout. Les couleurs sont quand même... Et hey, là, je vais vite, je dépasse partout. Là. Les couleurs sont quand même pâles, là, vraiment, là. Mais, tu sais, des fois, il y a des crayons, là, il va y avoir 50... il va y avoir, mettons, 5, 6 nuances de bleu. Mais tu vas les mettre tout un côté de l'autre, puis après ça, tu regardes ça, tu es comme... Ah. Tu sais plus trop lequel, ça se ressemble tellement. Mais au début, c'était ça ma peur avec les petits pastels. Là, je me disais, oh, OK, là, je vais acheter ça, les pastels. Puis là, gages-tu que, tu sais, mettons, les petits roses pâles, mais les quatre roses pâles qu'il y a, mettons, vont toutes se ressembler, ils vont toutes avoir de l'air, tu sais. Moi, c'est ça que j'avais comme peur, vu que, tu sais, maintenant, les couleurs pastels, tu sais, c'est pâle sur un teint, là. T'sais, on peut pas avoir 15 sortes de roses pâles. Mais pour vrai, oui, mais au lieu, ils se ressemblent pas toutes. J'étais vraiment très, très, très surprise. T'sais, je redoutais, mais en même temps, je voyais plein de monde en parler puis dire que c'était comme, façon de parler, c'était les nouveaux crayons miracles. Tout le monde capotait. Hey, ils ont été BO longtemps. Tout le monde se les arrachait, façon de parler. Là, ils retombaient là, disponibles, puis ils faisaient pas long feu. Là. Je les avais-tu? Non, je les avais pas eu, moi, la première shot. La première fois, là, j'avais pas été capable de mettre la main dessus. Quand ils étaient revenus en ligne, j'avais attendu longtemps, là. Parce que j'avais trop mijoté au début. J'aurais pu les acheter, puis là, j'étais comme sceptique. Puis, tu sais, on aurait dit, je me disais, garde, je vais attendre de voir un petit peu plus de review, là. Là, c'est-tu comme juste 4-5, là, que je vois, là, que là, ils capotent, puis que, tu sais, hey, c'est des bons crayons, mettons, puis là, tu sais, qui crée comme une folie. Ou, tu sais, c'est réellement. Mais là, à voir que ça avait été BO, puis tout, pour vrai, ouais. je les avais eu, moi, c'est ça, quand ils étaient revenus en stock, là, comme la deuxième shot. Ils n'ont pas été longtemps en stock non plus. Ils en ont eu comme juste une batch. Là, si vous les voulez, là, sont disponibles. Mais au début, ça a vraiment été... Ça a été long, là. Puis entre la première et la deuxième shot, il y a eu une couple de mois, là. Ça a pris vraiment un bon bout de temps, là, avant qu'ils retombent, tu sais, que les gens puissent mettre la main dessus. Tout ce que je vous présente là, j'avais tout vérifié sur Amazon, c'était tout en stock. À moins qu'il y ait 50 millions de personnes qui se garochent d'ici à ce que vous alliez voir sur Amazon, là, mais je pense pas. Là. Je vais essayer de pas oublier, là, mais je vais vous mettre là, les liens là, de mes articles là, que je vous ai présentés, là, de tout ça là, dans la description de la vidéo, là, le lien d'achat, si vous voulez voir. Là, fait que c'est mes Tree Blend. Il va y avoir, c'est ça, là, moi, je vois comme je vois le détailler, là, donc mes 24 crayons Tri-Blend, mes 100 crayons. Ensuite, je vais mettre mes 12 crayons métalliques et puis mes crayons pinceaux, là, mes pinceaux aquarelles là, aussi. Là. Fait que, je vais tout vous mettre les liens de tout ça là, dans la description si ça vous intéresse. Là, ça va vous éviter là, de chercher un peu. Là.
Sur ce, je veux vous dire merci énormément d'écouter mes vidéos. Je suis vraiment super contente de mon cadeau de Saint-Valentin. Je vais remercier mon copain, là, il est pas là cet après-midi. Mais j'avais comme pré-ouvert la boîte, là. J'avais pas ouvert les choses, là, rien, là. Mais tu sais, j'avais juste comme vu que c'était ça qui est arrivé. J'y ai montré tout à l'heure. J'ai dit, hey, regarde, je vais faire ma vidéo cet après-midi. Puis là, c'est ça, il est pas là. Mais quand il va revenir, là, je vais lui dire que je suis très, très, très contente. Puis que vraiment, là, j'ai fait des bons choix. Puis c'est grâce à lui. Parce que j'aurais peut-être pas acheté autant de stocks si ça aurait été juste mon budget à moi. Donc, je suis vraiment très, très, très choyée. Je suis vraiment très contente. Et puis, en plus de ça, le soir de la Saint-Valentin, on s'est fait une bonne fondue au fromage. Écoutez, là, vraiment, là, cette année, là, à défaut, là, pour les 10 dernières années, là, cette année, là, on s'est lâché lousse. Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Et puis, manquez pas ça, la prochaine vidéo coloriage, c'est sûr et certain que je m'amuse. L'apprenti en dégradé en moi va surgir. Donc, c'est sûr que je m'amuse à venir faire des petits dégradés. Là, hein? Ça, là, ouais, ça m'a donné le goût, ça m'a donné confiance parce que ça, je me disais, mec, je les essaye, si ça a l'air fou, qu'est-ce que je fais, puis tout. Il va falloir vraiment que je me pratique pas mal. Plus juste de même au premier essai, je trouve ça convaincant. Fait que j'ai très, très hâte de travailler avec ça. Fait que c'est sûr et certain que dans la prochaine vidéo vlog, le colo vlog, dans le fond, là, vlog coloriage, quand je vais recevoir mes livres à colorier, ce qui est mes autres petites choses que je me suis commandées, dans le fond, mon cadeau à moi de moi de la Saint-Valentin, mais je reçoive celui-là. Il est pas mal moins gros, soit dit en passant. Fait que je le reçoive, ben c'est sûr et certain que je m'amuse avec mes tri-blends. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye!